Albert et Monsieur Houille, mettez-vous dans la lumière que les enfants soient rassurés. C'est des clodos, c'est des clodos. Bonne nuit, les patios. Quoi? C'est un gueux qui possède le château? Quoi? Un gueux? Quoi, un gueux? J'en prie, Jean-Pierre aussi est un gueux, ça l'empêche pas d'être un mari sympa. Lui, un gueux! Oh, quoi? On peut plus manger, là, j'ai plus faim. Non, c'est vrai, là, c'est trop. Il me donne envie de vomir. T'as entendu ce que j'ai entendu? Ah, j'ai entendu. Non, mais oh! Crache dessus, maintenant! Nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Monsieur Lacouille, je vous en prie, allons, ça devient casse-pied. Jacouille! Jacouillon! Du cul en revenant. J'ai l'impression qu'il y a Bobo qui déconne avec la sono là. En revenant de Nantes, à Montaigu. Pour être plus discret, c'est moderne. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. On a vendu un beau matin. On a vendu avec ses tripes. Vous pourriez arrêter de siffloter deux secondes et me dire pourquoi ce salopard a cru bon de ne pas donner signe de vie à sa femme depuis 15 ans. Je vous préviens que si l'aile du président a brûlé, on va direct au procès. Mais c'est ok. C'est ok, regardez. Ok. Je la lustre. Je la polis. Regardez. Regardez, elle brille déjà. On se voit dedans, hein. Regardez. C'est ok. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Je le savais, je le savais. C'est rien, madame Frangin, c'est juste une aiguille fichée dans le palais. Je vous la retire tout de suite. Quelle famille appartient cet écu? Messieurs les gendarmes! Que fait-on de cette gueuse? Silence, larveux! Oui, femme! Excusez-moi de vous déranger, mais mon fils Eddie refuse de faire ses devoirs parce qu'il est collé devant la télé. Et comme je dis souvent, si tu continues comme ça, je vais appeler les gendarmes et ils vont t'emmener. Alors je vous demande simplement de lui faire un petit peu peur en le grondant. Fais ton devoir, petit homme! Qu'est-ce que vous fabriquez? Je viens de décanter un cheval blanc 61 pour l'apéro, une merveille. Lillier! Le Bourguignon! À mort! Ah! Mais vous êtes dingue! 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 T'emballez, mes pierres! Oh, Robespierre, vous pensez qu'ils sont capables de s'exprimer devant l'Assemblée? Il y a qu'à leur demander. Vous n'avez pas peur de monter à la tribune, citoyen? C'était pas un auditoire facile, vous savez. Je ne connois point la peur, grand chef. On saura bien les sermonner et leur coller moult claquades. Et on leur pèlera le jonc comme au bailli du Limousin, qu'on a crevé un beau matin, qu'on a pendu avec ses tripes. Il ne peut pas rester dans cet état. Allô? Mais qu'est-ce qu'il fout? Merde! Merde! Allô? Jean-Pierre? C'est Jean-Pierre? Allô? Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans?